partez toujours demain? Eh oui. Pour monter vidéo. Il arrive qu'on en revienne. C'est ici loin. Ne pleurez pas. Je suis sûr que nous nous retrouverons bientôt. Vous croyez qu'il va l'emmener avec lui? I don't think so. La petite est si jalouse. La petite? Yeah, the apple of his eye. Comment dites-vous en français? La prunelle de ses yeux? La pomme de son œil. Mes amis, pour rendre hommage à notre cher consul général qui vient d'être promu au rang d'ambassadeur, notre bon doyen va prononcer le discours d'usage. Tous mes compliments et tous mes vœux. Bravo! Toutes mes félicitations pour votre belle promotion. Je vous souhaite bien du bonheur, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le consul général, how is the apple of your eye? La prunelle de vos yeux, comment va-t-elle, monsieur? Vous êtes gentil, merci beaucoup, monsieur. Elle est très jolie et j'en suis amoureux. À San Francisco, nous étions très heureux. Et pourtant, il faut que je vous dise adieu. Monsieur l'ambassadeur, comment va la pomme de votre œil? Votre départ, quel malheur, tout le monde est en deuil. Oh, monsieur l'ambassadeur, écrivez-nous de temps en temps. Ce sera un petit bonheur, vous nous manquerez tant. Je vous le promets, merci beaucoup, madame. Demain, je m'en vais rempli de vagues alarmes. À San Francisco, nous avions tant d'amis. J'ai le cœur bien gros de les laisser ici. Monsieur le consul général, comment va la pomme de votre œil? Elle se tient à cheval comme dans un fauteuil. Vous en paraissez très fière, il est vrai qu'il y a de quoi. Elle a vraiment tout pour plaire à tous ceux qui la voient. La pomme de mon œil se porte bien ma foi. Elle est mon orgueil, ma lumière et ma joie. Il faut l'excuser, mais elle l'avait ce soir. Tout à préparer pour notre grand départ. Monsieur l'ambassadeur, embrassez la pomme de votre œil. Je l'aimais comme une sœur, je vais être bien seul. Oh, monsieur l'ambassadeur, pensez-vous revenir bientôt? Vous avez gagné les cœurs de tout San Francisco. Oh, monsieur l'ambassadeur, embrassez la pomme de votre œil. Béatrice, tu ne dors pas? Papa. Mademoiselle Colville a téléphoné 3 fois dans la soirée. Qui est-ce? C'est une cousine. Une cousine Germaine? Germaine, pas Germaine du tout. Que tu l'as cherché, là? Vague cousine par alliance, comme nous en avons tous. Mais alors? Mais alors quoi? Rien n'empêche que vous puissiez vous marier. Sois raisonnable. Il est minuit. C'est l'heure où les petites filles font pour elle. Et puis qu'est-ce qu'il y aurait de si tragique si un jour ou l'autre je me remariais, hein? Oui, tu serais beaucoup moins sereine. J'aurais une copine pour jouer avec toi, une seconde maman. Si tu te remaries, je me tuerais. Je te promets de ne jamais me remarier. Tu me le jures? Je te le jure. Dors, mon soleil. Et moi, je te jure de rester avec toi toute ma vie. Dors, vie. Dors, mon soleil, dans le creux de la nuit, tu
c'est une autre vie. Et nous ferons tous deux un long chemin. À la fin de mon ambassade en Uruguay, j'organise à Paris. La veille de la communion solennelle de Béatrice, mon ex-femme vint m'y rejoindre. Je ne l'avais pas revue depuis 6 ans. Monsieur l'ambassadeur, votre femme est prête. Bravo. Merci. Merci. Est-ce que vous connaissez la dernière nouvelle ? Quoi donc ? Olaf a décidé de se marier. Olaf ? Oui, de Norvège. Il va épouser ce mannequin anglais. Vous savez bien la blonde ? Ça peut vous faire. Ne comprenez pas ? Oh, Dieu, qu'il est lent. Il vaudrait quand même mieux que nous nous marions. Inconsommé. J'ai bien fait de me séparer d'elle. Un œuf angelé. Après tout, il a un ambassadeur. Un poussin. Elle est de plus en plus superficielle. Un steak tartare. Votre champagne habituel, monsieur l'ambassadeur ? Oui, s'il vous plaît. Vous ne m'invitez pas à danser, Roland ? Oh, je ne sais pas danser sans ces rythmes nouveaux, plus assez jeunes, ma chère. Mais à la prochaine valse... Ah, nos valses, Roland. Vous vous souvenez quel beau couple nous formions. Tout le monde envie à notre bonheur. Oui. Vous me parliez du mariage de Olaf. Puis-je savoir... Mais il se trouve tout simplement que Olaf était le dernier célibataire possible. Le dernier qui est un titre, un pécule honorable et qui ne soit pas encore complètement gâteux. Pensez-vous remarier ? Il s'agit pas de moi, voyons. Comment pourrais-je jamais être heureuse avec un autre homme ? Mais alors de qui s'agit-il ? De Béatrice, voyons. Elle a 12 ans. Enfin, dans 4 ans, elle sera mûre. Donc... Je veux dire mûre pour le mariage. C'est une femme, mon ami, physiquement et moralement. Elle est très en avance pour son âge. Notre petite fille est une femme, Roland. Il faut savoir le reconnaître. D'ici 4 ans. Il a toujours été amoureux de Béatrice. Il ne peut pas supporter l'idée qu'un jour ou l'autre, elle se mariera. Je ne tolérerai pas que Béatrice me quitte au bras d'un inconnu qui m'appellera beau papa. Merci. Alors, d'ici 4 ans, quelle partie voyez-vous poindre à l'horizon ? Procédons par élimination. Londres est hors de question. Londres ? Le petit Charles, voyons. Mes parents ne marcheront jamais. Voyez que je regarde les choses en face, je ne me nourris pas d'illusions. Je ne demande ni un roi, ni un empereur. Enfin, ces gens-là ont bien des frères, comme tout le monde. Des neveux, des cousins. J'aurais très bien vu Béatrice, princesse de Bulgarie ou de Yougoslavie. Après tout, c'est pas le Pérou, mais ils sont tous mariés. Pierre, Michel, Siméon, Karim, n'en parlons pas. Cette question de religion complique tout. Restait Olaf, sur qui j'avais jeté mon dévolu. Je lui avais montré des photos de Béatrice, il avait semblé intéressé. Il a changé d'avis, n'y pensons plus. Voilà, n'y pensons. À moins qu'il ne divorce d'ici 2 ou 3 ans. Je n'aimerais pas beaucoup voir ma fille épouser un homme divorcé, quoi que de nos jours. Oui. Et que penseriez-vous de Victor Emmanuel ? Victor Emmanuel ? De sa voix, voyons, on est tout de même de sang royal. Venez danser. Cher Roland. Quel beau couple! Quelle classe! Quelle élégance! Il paraît qu'ils sont divorcés! Mais taisez-vous, ils sont pas sourds! Mais moi je le suis! Ah, tante Mimi, oncle Joachim, me replonger après des années d'exil au sein de ma famille est une bien douce émotion. Où Roland a-t-il été nommé ? À Helsinki! Le Maroc, j'ai toujours rêvé d'y aller! Vous viendrez bien nous y voir, tante Mimi! Aruna veut partir. Au revoir. Au revoir, chérie. Au revoir. Mais dites-moi, vous allez vivre au Maroc avec Roland ? Oh, y vivre, je ne sais pas, j'ai tant à faire. Mais vous m'inviterez bien pour quelques week-ends, Roland. Mais bien entendu, Eleanor. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous devriez vous remarier. Ah, nous verrons. Qui va se marier ? Toi, ma chérie, et dans quelques années. Jamais. Et pourquoi donc ? Parce que j'ai décidé d'être religieux. Elle est fatiguée, elle ne sait pas ce qu'elle dit. Quelle importance ! Tout s'arrange dans la vie lorsque l'on a de bonnes dents. C'est tout à fait mon avis, mais partons maintenant. Au revoir, mes chers enfants, votre buffet était parfait. Le problème désormais est de le digérer. Le buffet.
bicarbonate et un sucre en morceaux. Moi, je le constate, ça me calme aussitôt. Une décoction de bourrache et de thym, avec du citron, c'est le meilleur moyen. Qui fourrez-nous partout. Pensez à nous de temps en temps. Nous avons tant d'affection pour vous, mes chers enfants. Qui fourrez-nous partout. Pensez à nous de temps en temps. Nous avons tant d'affection pour vous, mes chers enfants. Qui fourrez-nous partout. Pensez à nous de temps en temps. Nous avons tant d'affection pour vous, mes chers enfants. Béatrice, mais qu'est-ce que tu as raconté tout à l'heure? Tu veux devenir religieuse? Quand j'aurai 16 ans, je prononcerai mes vœux. Religieuse, mais tu es folle. Calmez-vous. Enfin, tu pensais à la vie que tu dois mener. Nous en reparlerons. Rien ne pourra me faire changer d'avis. Jolie et versée dans le monde comme tu l'es, tu es faite pour te marier. Le Christ sera mon époux. Eh ben, ma chère, vous voilà comblée. Votre fille prend le Christ pour époux. Vous pouvez difficilement trouver mieux. Voyez-vous, docteur, j'ai passé 4 ans à Helsinki. J'avais dû mettre Béatrice en pension. Je ne pouvais la voir que le dimanche. Intéressant. Or, depuis la fin de sa crise mystique, elle s'est plongée dans les études avec une sorte de passion. Ah, intéressant. Mais même quand elle est avec moi, elle s'enferme pour lire. Et quel livre? La doctrine sanscrite, les secrets de l'au-delà. Ah, intéressant. Peut-être, mais inquiétant. Si encore il y avait des raisons. Mais non, elle est très belle, elle est toute jeune. Elle est toute jeune. Intéressant. Elle devrait sortir avec des copains. Et vous n'auriez pas une photo d'elle? Oh si, si, j'ai sûrement une photo d'elle. En voici une qui est assez vieille. En voici une plus récente. Elle a beaucoup changé. Envoyez-la moi, je lui parlerai. Oh merci, docteur. Merci. Docteur, croyez-vous que je doive la forcer? L'emmener contre son gré au restaurant, au cinéma, peut-être même dans une boîte de nuit où elle rencontrerait des garçons de son âge? Non, oh, certainement pas. Il n'est rien de plus dangereux que les boîtes de nuit. Je te donnerai tous les bateaux, les oiseaux, tout le soleil, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, je te donnerai les ça vous plaît? Les goélands et les fruits d'or. Terrible. Les trésors et les grands bals sur les étoiles. Ne pleure pas pour mon amour. La, la, un peu? Si, ça vous détendra. Si papa me voyait, oh là là. Discussion. Taissez-vous, s'il vous plaît. C'est la seule phrase que je connaisse en finlandais. Comment elskas?
vous adore. Vous emmenez toujours vos clients dans les boîtes de nuit? Oh non, non mais j'ai promis à votre père, qui est un homme charmant d'ailleurs et qui vous aime beaucoup, j'ai promis de veiller sur vous tout spécialement. Bonsoir, docteur. C'est le psychiatre de ma fille. Un homme charmant, d'ailleurs. Béatrice! Papa! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais peur que Béatrice, sautant d'un extrême à l'autre, ne mène une vie dévergondée. Dieu merci, il n'en fut rien. Pour les vacances de Pâques, nous nous trouvâmes ensemble à Paris, où j'attendais un nouveau poste. Que c'est que ça, ma chérie? Ça? Un cadeau. C'est du vrai ou du toc? Ça, j'en ai pas la moindre idée, alors. C'est un vrai saphir. Oh, chouette. Qui te l'a donné? Un type avec qui j'ai dansé. L'affreux psychiatre? Mais non, voyons, les psychiatres n'offrent pas de saphir, enfin. Maurice Arcachon. Oui, un nom comme ça. Ce politicien véreux? Oui. Mais il pourrait être ton grand-père. Oh, n'exagérons rien. Évidemment, c'est pas un garçon de 20 ans qui aurait les moyens de m'offrir un saphir, ça. Et qui... Qu'est-ce que tu as fait pour mériter un cadeau de cette valeur? Mais rien, rassure-toi. Je suis assez grande pour pouvoir accepter quelques petits souvenirs sans rien offrir en échange. Tu appelles ça un petit souvenir? Mais tu as perdu tout sens de l'honneur. Mais voyons, papa, tu es trop classique. On n'en est plus là, à l'air atomique. Un petit saphir en copain, copain. C'est un souvenir qui n'engage à rien. Ne crains pas pour l'honneur de ta fille. En 43, comme en 70, les filles sont des proies. Pauvre Béatrice, et il m'appartient de te protéger contre les requins et les éperviers qui en veulent à l'honneur de ma fille. Mais voyons, papa, tu es ridicule. On n'en est plus là depuis la pilule. Je ne disais ça que pour plaisanter. T'en fais pas, papa, je n'ai rien donné. Et surtout pas l'honneur de ta fille. Ridicule ou pas, je connais l'oiseau. Il faut de ce pas rendre le gâteau. Il n'est pas question de malentendu. Ta réputation sera défendue et défendu l'honneur de ma fille. Waouh! L'honneur de ma fille. Waouh! 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 Waouh!
Cher Maurice, veuillez trouver ici inclus le saphir que vous avez eu l'audace d'offrir à Béatrice. Sachez que ni elle ni moi ne mangeons de ce pain-là. Si vous continuez à poursuivre ma fille de vos assiduités, vous recevrez ma main sur la figure. Et mon pied dans le cul. En toute dignité, je suis satisfait de ma fermeté. En cette période où tout change tout le temps, il n'est pas commode d'élever ses enfants et de sauver l'honneur de sa fille. Oh non. Maurice Arcachon, ministre plénipotentiaire, vient d'être nommé par décret au poste d'inspecteur général des ambassades. Quoi, cet imbécile d'Arcachon sera mon supérieur? Quoi, cet individu à qui je viens de donner une cinglante leçon devient l'homme dont dépendra ma carrière? Pauvre fonctionnaire, destin cornélien, se conduire en père ou en arlequin. Je vois et je sais que tout est perdu. Et le Quai d'Orsay me jette à la rue. Mais j'ai sauvé l'honneur de ma fille. Oui, j'ai sauvé l'honneur de ma fille. Toutes les portes se fermèrent devant moi. Malgré de nombreuses démarches, si contraires à ma dignité, il me fallut rester en disponibilité. Béatrice voyageait. Elle m'envoyait des cartes postales pleines de tendresse qu'elle signait Baba, Nini, Gertrude ou Zénobie. Mademoiselle de Mailly, je vous prie. Fatima, sixième droite. Ça y est, elle a encore changé de nom. J'ai déjà vu des filles changer d'humeur, de personnalité et de façon de s'habiller, mais changer de nom. Il y eut Margie quand elle obtint sa licence d'anglais. Il y eut Esther quand elle joua à Thalie. Geneviève, quand elle enseigna le B.A.B.A. aux jeunes Africains. Et maintenant, il y a Fatima. La voici amoureuse d'un jeune sculpteur.
Ils abritent leurs coupables argiles dans un studio divin, pour employer son expression, 32 rue de Belleville. Non. C'est pas possible. Je comprends, mon Dieu, je comprends qu'on puisse préférer une chaumière à un palais, un grenier à un appartement bourgeois, mais. Mais pas ça, pas ça. Mademoiselle de Mailly, je. Mon papyrus. Mon papyrus, chéri. Entre. Entre. Mon chez-moi, tu te rends compte, mon papyrus? Mon chez-moi. Bousbir, me revoilà à Bousbir. Il ne manque que le Coran et la photo de Lyotée. Assieds-toi. Où? Ces 6 étages m'ont fait vieillir de 20 ans. Un thé à la menthe? Tu n'aurais pas plutôt un peu de cognac? Oh, pardon. Mon papyrus, si tu savais ce que c'est que d'être amoureux. La terre s'éclaire, la lumière est en moi, car j'aime pour la première fois. Le monde s'effondre. Les roses ont changé de couleur. C'est la fête dans mon cœur. Je chante, je danse, le bonheur est en moi, car j'aime pour la première. Bonjour, Hamid. Je suis heureux de vous connaître, Hamid. Je sens que nous allons devenir des amis. Il paraît que vous êtes sculpteur. Ne m'as-tu pas dit que notre ami Hamid était sculpteur, ma chérie?
Est-ce que Hamid exposera bientôt ses œuvres? Hamid ne veut pas vendre papyrus. C'est tout de même un peu dégradant de vendre. Je trouve pas. Non, je trouve pas. Je sais pas. Non, il me semblait qu'une exposition permettrait... L'important, c'est d'aimer. Tu veux pas un sucre? Non, merci, j'ai fini mon thé. Ça t'ouvrira des portes. Qu'est-ce qui m'ouvrira des portes? Un sucre. Je vais vous laisser. Viens. Viens sur le balcon que je te montre mes champignons. Celui-là, c'est Vladimir. Et il est tout petit, là, le mignon. C'est Djerba. Il m'a donné beaucoup de mal. Je savais pas qu'on pouvait faire pousser des... On peut tout faire pousser quand on aime. Au revoir. Dis-moi, il est muet? Je ne sais pas, je n'ai jamais remarqué. Mais je pense que tu lui as fait un peu de peine en lui parlant d'une exposition. Il n'aime pas qu'on évoque des choses aussi sordides. La prochaine fois, je surveillerai mon langage. Ça ne fait rien, mon papyrus. Je t'aime, avec tous tes défauts. L'ambassade de Reykjavik? Mais vous n'y pensez pas? Mais vous me voyez vivant parmi les Esquimaux? Non, mon cher ami, non, non. C'est l'ambassade de Rome qui m'est due. N'oubliez pas que je suis un spécialiste du latin. Il ne parle plus le latin. Pas ma faute. Maurice Arcachon? Mais je ne lui en veux pas, voyons. Je serais ravi de prendre un verre avec lui. Non, qu'il ait éprouvé une certaine admiration pour Béatrice, c'est tout à fait naturel. C'est même plutôt flatteur, qu'est-ce que c'est? Votre oncle Joachim, monsieur. Qu'il entre. Non, tâchez de m'arranger ça, mon vieux, hein? Je vous en serais très reconnaissant. Merci. Bonjour, Roland. Comment va? Bien, vous avez mauvaise mine, vous. Trop de travail. Je me demande à quoi peut travailler un ambassadeur en disponibilité. Bon, il se prépare pour son nouveau poste. Asseyez-vous. Merci. Je suis venu vous parler de ma nièce. Béatrice? Oui. Comment va-t-elle, cette pauvre enfant? Très bien. Ah, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Pourquoi? Mais parce qu'elle a 20 ans, mon cher. Je ne vois pas ce qu'il y a d'inquiétant à avoir 20 ans. La jeunesse d'aujourd'hui, ça donne à l'alcool. Elle ne boit que du thé à la menthe. À la drogue. Elle ne fume que des cigarettes. Un tabac un peu fort, il est vraiment pas ça. Vous devriez la surveiller davantage, Roland. Mon cher Joachim, j'estime que nos enfants doivent suivre leur destin. Bah, encore nous appartient-il d'orienter ce destin à nous qui avons de l'expérience. La pauvre enfant n'a jamais connu ce qu'il y a de plus important dans la vie. L'amour d'un père et d'une mère ensemble. Ah, Éléonore m'a plaqué pour suivre un guitariste. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai même renoncé à me remarier pour me consacrer uniquement à Béatrice. Vous lui avez fait connaître un tas de maîtresses. Oh, bah, vous voulez tout de même pas que je fasse vœu de chasteté? Vous devriez vous remarier avec Éléonore, Roland. Je suis sûr qu'elle vous aime toujours. Pensez-vous, elle s'est consolée avec un conseiller à la Cour des comptes. C'est d'une tristesse. Je suis sûr qu'elle laisserait tomber son conseiller sur un signe de vous. Allons, allons. Ce serait gentil de me faire encore un tas de petits neveux et nièces. Je vous en prie. Allô? Béatrice! Ma chérie, comment vas-tu? Je t'ai pas vu depuis 2 mois. Oui, mon amour. Où tu voudras? Mais un endroit calme, surtout, hein?
À la closerie? D'accord, à demain. Ton oncle Joachim est là, tu veux l'embrasser? Non, elle veut pas vous embrasser. Oh, vous voyez bien que cette petite n'est pas normale, mon cher. Quelle bonne surprise! Mais où donc représentez-vous la France en ce moment? Au Népal? Nulle part, j'attends un nouveau poste. Ah, voulez-vous que j'en parle à Maurice Arcachon? Merci, ma fille s'en est déjà chargée. C'est pourquoi pensiez-vous que j'étais au Népal? Votre costume? Ah oui, oui, c'est un peu. un peu hardi, qu'est-ce que vous voulez? Faut se défendre. Toujours sur la brèche, hein? À propos, est-ce que vous connaissez cette jeune femme qui me fait signe? C'est votre fille. Vous croyez? Frère, vous ne me connaissez pas? Tu me dis vous? Je crois faire, oui. Tu permets que je continue à te tutoyer? Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu prends? Un quart Vichy. Et pour vous, monsieur? Un double scotch, bien tassé. Un demi. Tu fais partie de l'armée du salut? Pensez au fanfreluche. Dommage. La terre tourne, père. Eh, il paraît. Et les temps changent. Faut essayer de se rendre utile. Qu'est-ce que tu fais? J'aide les jeunes à se libérer. Il faut tout détruire et repartir à zéro. Mort aux Gaulois. Ça veut dire mort aux vieux. Ce sont les pensées de Dany, je les apprends par cœur. Tu peux m'en réciter quelques-unes? Je pense qu'elles ne vous feraient aucun plaisir. Pourquoi? Parce que vous avez dépassé la cinquantaine. C'est un crime? Je regrette de devoir vous dire la vérité, père. Vous savez combien je vous aime, mais tous ceux qui ont dépassé la cinquantaine devraient avoir la pudeur de disparaître. Et qui est ce Dany qui émet de semblables axiomes? Ton nouveau petit ami? Ni le temps ni le goût d'avoir des petits amis. Première nouvelle. Semblait que l'amour avait occupé une certaine place dans ta vie. Moi? Vous devez confondre. Il y a deux mois, tu n'étais pas amoureuse d'un certain Hamid? Ah, celui-là. Oui, celui-là. Ah oui, il était gentil, mais... Enfin, c'était l'époque où je ne pensais pas. Dany m'a ouvert les yeux. Nous ne sommes pas sur Terre pour aimer, mais pour penser. Je pense, donc je suis. Descartes. Ah, Descartes. C'est une pensée de Dany, page 12. Il a des lettres? Voyez-vous, père, j'ai pour vous des trésors d'indulgence, mais il faut bien le reconnaître, vous ne pensez pas. Apprends-moi. C'est trop tard.
Vous êtes né superficiel, vous mourrez superficiel. Superficiel, moi? Vous n'avez qu'un souci, rester jeune à tout prix. Mais comment, j'ai jamais caché mon âge? Je suis fier de mon âge. Pourquoi est-ce que vous habillez en hippie? Je vais faire ça pour être à la page, moi, pour sortir avec toi. Non, mais regarde-moi ça. Ah, ça, je te conseille de parler. Tu oublies comment tu étais attifé la dernière fois que nous nous sommes vus. J'ai changé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. La terre tourne, père. Si tu me répètes une fois de plus que la terre tourne... Va, Denis. Salut. Assieds-toi. Dis-moi, je voulais demander un truc. Quel livre? Je m'excuse de vous déranger. C'est vous, monsieur, qui avez concocté cette œuvre immortelle, Mort aux Gaulois? C'est moi, monsieur. Eh bien, les Gaulois vous disent merde, monsieur. Gontran. Monsieur? Oui, mon passeport. Le voici, monsieur. Avec le billet d'avion. Merci. Monsieur, l'ambassadeur est nommé à Kaboul. Non, je suis nommé à Rome. C'est tout de même plus important. Non, je fais un détour par Kaboul parce que ma fille s'y marie le 27. Ah, et mademoiselle épouse un Afghan. Mais non, elle épouse un ingénieur électricien. Ça n'a aucun rapport. Il est vrai qu'on peut être à la fois ingénieur et Afghan. Mais je ne crois pas. Tenez, aidez-moi. Oui, pardon. De toute façon, nous allons être fixés. Elle vient me le présenter à midi. Ah, très bien, pardon. Gontran, monsieur, préparez le porte-eau. Oui, monsieur, je l'ai fait entrer dans le petit salon. Oui. Espérons que nous la reconnaîtrons. Depuis sa période austère de salutiste, Béatrice avait changé plusieurs fois de personnage. Elle fut successivement Mademoiselle Ingrid quand elle s'entraîna pour les championnats d'athlétisme, Madame Irma quand elle pratiqua l'hypnotisme, et Mademoiselle Dolly, quand elle sévit dans un cirque. Mademoiselle Alban. Mon papy Zoui, quelle joie de te revoir. Tu me tutoies à nouveau? Oublions le passé. Je te présente l'homme de ma vie. Tiens, il me ressemble un peu. Après tout, c'est normal, elle a toujours été amoureuse de moi. Il s'agit d'un transfert. Asseyez-vous. Oui. Non, je ne... Votre séjour à Kaboul a été agréable? À Kaboul? L'Afghanistan est un pays très sauvage. J'y suis jamais allé. Oui, moi non plus. Mais un de mes amis, le père Santini, vous le connaissez? Non, je ne... Il dirige des fouilles chez les Kurdes. Il a mis à jour des objets provenant de la civilisation hittite. Hittite? Oui, je sais que ce n'est pas votre domaine. Mais enfin, pour établir des lignes de haute tension dans ces contrées désertiques... Merci. Vous avez dû être en contact avec des archéologues. Je suis photographe de mode, monsieur. Photographe de mode. Il m'avait semblé... Enfin... Voyons, mon cher Adam. Hein? Vous permettez que je vous appelle Adam? Oui, si vous voulez, mais... Étant donné les liens qui vont bientôt... Oui, mais mon nom est Charles. Charles. Ah oui, j'avais oublié de te dire, papizouille. C'est pas Adam que j'épouse, c'est Charles. Gontran. Monsieur. Vous pouvez défaire mes valises. Bien, monsieur. Tout s'est passé si vite. En effet. On s'est connus dans un cocktail il y a 8 jours, ça a été le coup de foudre. Et Adam? Ah, celui-là. Oui, celui-là. Oh, Adam, ça c'était un bon copain, c'est tout. Avec Charles, c'est pas la même chose. Charles, je l'aime d'amour. La terre s'éclaire.
lumière est en moi, car j'aime pour la première fois. Un monde s'effondre, un nouveau vient déjà, car j'aime pour la première fois. Je l'aime, je l'aime, et je prie tous les dieux pour qu'il m'aime, pour qu'il m'aime. Le mariage aura toujours lieu le 27. Ah oui, bien sûr, à Saint-Honoré-d'Eylau. Ah, as-tu prévenu Adam? Ou vas-tu t'avancer au bras de ton père le long de la travée de Saint-Honoré-d'Eylau, suivi de deux conjoints? Oh, tu crois pas si bien dire. Adam est le témoin de Charles. Ah, ces messieurs sont des amis de longue date? Oh non. Non, je les ai présentés l'un à l'autre le jour où j'ai dit à Adam que je n'aimais plus. Alors, ils ont sympathisé. D'ailleurs... On emmène Adam à Tahiti pour notre voyage de noces. Hein? Oui. Ah, ben voilà qui est parfait. Parfait. Je vois pas ton fiancé. Mais il est là, voyons. Mais c'est pas Adam. Il y a longtemps que c'est plus Adam. Non, je veux dire, c'est pas Charles. Non, c'est Henri. J'ai oublié de te dire, mais je l'ai rencontré il y a 2 jours. Si tu savais comme je l'aime. C'est la première fois. Promettre quelque chose. Mais tout ce que tu voudras, ma chérie. Je voudrais que tu t'occupes de papa. Mais je ne demande que ça. Viviez à nouveau ensemble. Voilà 10 ans que j'essaye. Je crois que c'est le moment, il a l'air un peu triste. Tu crois? Oh, pauvre papa. Il va se sentir tellement seul. Félicitations. Vous n'allez pas vous ennuyer. Pardon? Vous avez décroché Rome? Ah! Félicitations. Mais dites donc, tout s'arrange très bien. Pour qui? Oh. Adieu, beau papa. Beau papa, je sens que je vais l'étrangler. Vous n'auriez pas une de vos petites cigarettes? Félicitations. Est-ce que vous allez donner une suite à votre charmant opuscule « Mort aux Gaulois » ? C'est déjà fait. Félicitations. Mon cher Adam, c'est vous qu'elle aurait dû épouser. Félicitations. Mon cher Charles, c'est vous qu'elle aurait dû épouser. Félicitations. Voyez-vous, docteur, c'est moi qu'elle aurait dû épouser. Intéressant. Quand prenez-vous votre poste à Rome, Roland? Dans un mois. Me permettez-vous de vous y accompagner? Mais bien entendu. C'est si beau. Quoi? Rome. Je nous vois déjà enlacés sur la Via Appia. Et vous me parlerez de la civilisation hittite. Mais ça n'a rien à voir avec Rome. Non, mais vous aimez tant parler de la civilisation hittite. Et j'aimerais tant vous faire plaisir. Si seulement c'était vrai. Vous ne savez donc pas que je vous ai toujours aimé? Alors pourquoi m'avez-vous quitté? Vous n'étiez pas amoureux de moi. Vous étiez amoureux de Béatrice. Et voilà qu'on me l'enlève. Ma petite fille. Ma pauvre petite fille. Non, ne vous inquiétez pas, elle nous reviendra.
me faire ça à moi. Me préférer un étranger. Car enfin, il y a 8 jours, ils ne se connaissaient pas. Mais n'y pensez plus, pensez à Rome. C'est là que nous avons passé notre premier voyage de noces. Le second sera encore plus beau. Vous êtes bien jolie, Éléonore, quand vous souriez. La terre s'éclaire, la lumière. Calme, madame, prenez garde, on nous voit, on va dire jamais 203. C'est drôle, mais ça me rajeunit, que m'importe ce qu'on dit. Vous plaire, ma chère, est pour moi une joie, et même pour la deuxième fois, et même pour la deuxième. Départ à destination de Los Angeles et Papeete, vol Air France UTA 416, embarquement immédiat, porte 32. Oh, monsieur l'ambassadeur, embrassez la pomme de votre œil. Je vous laisse en plein bonheur, vous ne serez plus seul. Ah, mais je n'ai qu'un au revoir, ne pleurez pas, séchez vos yeux. Tout le monde est plein d'espoir et sera très heureux. Oh, non, ambassadeur, je vous donne rendez-vous. Chère Éléonore, nous recommençons tout. Je suis plus ému qu'une jeune mariée. Il ne manque plus qu'une fleur d'oranger. Mais ce n'est qu'un au revoir, ne pleurez pas, mesdames, messieurs. Tout le monde est plein d'espoir et sera très heureux. Mais ce n'est qu'un au revoir, ne pleurez pas, mesdames, messieurs. Tout le monde est plein d'espoir et sera très heureux.